plein air. Allez, ça glisse au passif ici, Drogon qui s'en va les couilles, qui va couper la main sur la lance en deux. Pas complètement perdu, mais qui aurait pu être perdu à une game. Oh, oh là là là. Allez, vas-y, non, va-t'en. Oh la vache. Non. On est fait une gueule. Qu'est-ce qui est. Combien il en a tué? 160 intercepteurs de démonter depuis le début de la game. Ah, c'est chaud. Des cafards dans c'est la mêlée. C'est chaud, patate. C'est chaud, cacao, comme dirait un célèbre chanteur. Chaud, cacao. Chaud, chocolat. Oh. Dans les drones. Oh non, le clic, elle a clic. Oh, oh. Scarlett, elle a clic son propre road sur backlane. Elle a tellement mis ce clic ici, Scarlett, qui va se faire imploser. En fait, c'est le seul truc dont il accuse. Et là, il faut pas arriver. Du coup, il est pas en position. Enfin, s'il est en position, mais il ne bouge pas. Mais c'est dégueulasse. Non, je peux pas commenter. Tu peux pas commenter ça? Mais non. Yogo, mais... en vrai, c'est pas dégueu ce qu'il fait, trou. J'aime pas être salé envers les joueurs, surtout dans des grosses compètes comme ça. Mais là, il a pué la merde, mec. Il a perdu. Il a pas d'entière. Attends, vends pas la peau du Nib avant de l'avoir tué, moi, ok? Ouais, mais quand le Voidrain numéro 3 va sortir, j'ai du mal à voir comment Nib va se sortir de cette méla. Bah, avec les batteries shield, hein. Batterie shield, hein. Vends pas la peau du Nib avant de l'avoir tué, moi. Batterie shield, hein. Y'a plus d'énergie sur les batteries shield, y'a plus d'énergie, c'est le moment où tu prends le Voidrain, il a pas essayé. Batterie shield, il est pas au courant, il dit, puis faire les probes. Allez, le Void Ray! GG! Batterie shield, hein! Ils sont pas. Oh la la! Oh! Alors. Oh! Oh, c'est JM! Mal positionné, c'est. Ouais! Oh la 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 la! Oh, il a tué! Oh, la outplay! Cette séquence de micro! Bon. Eh ben, comme quoi, la micro peut surmonter bon nombre de situations dans StarCraft 2, hein! Oh non. Le dieu Viper contre Viper, il a attaqué du coup la MP. Oh, ils sont échangés. Oh, ces monstres, ils ont fait le clic au même moment. Oh, le MP, papy. On est dans Matrix. On laisse tomber. MP magnifique. Attention quand même sur les bannings qui vont connecter ici. On prend... Quoi? Et il a fait péter celui qui était aussi dans la ligne de minerai, il l'avait gardé tout du long. Oh là là, l'engagement qui était un peu chelou, ça va, il y a beaucoup derrière. Les bannings, les bannings, bon focus sur les bannings. Oh, Uthermal, papy. Oh putain, oui. Oh, allez, oh là, tous les hydras vont cramer là. Tous les hydras, voilà, ça c'est fait. Il a pas vu que c'était full cyclone? Ah non, mais là il a grid as fuck. Après bon, vu qu'il y a 3 cyclones, s'il perd pas 30 SCP, ça va aller. Par contre, t'as la concave qui va être déplacée. Les lurkers qui sont sacrifiés, mais ils s'en foutent, il y a tellement d'hydras de l'autre côté. Nib qui se fait démolir. Mais avec la moitié de sa pop. Et y'a pas de vision, y'a pas de vision, les mines qui vont taper un petit peu, on se passe des deux médiacs qui se font imploser ici, les élates qui meurent en première ligne, qu'est-ce qu'on fait? Il est complètement dans. Oh là là, les pop qui sont poules. Le dernier shot qui est parti ici d'un stalker GG. Oh là là, Ryu, la solidité, c'est carré. Ouais. Et après, du coup, trappe ça, c'est terrâtre. Ok. Et on lag. Non mais... Mais il a le plus 2 d'attaque. T'as pas le droit de gagner la fin classique. Arrête de tricher. Mais attention, le pilote. Ah, il a soufflé. Oh là là. Et pète ton circule avec le terrain contaminé. Parce que bien sûr. Mais oui, c'est Ralka. Oh là là. Regarde, il ne joue même plus. J'ai jamais vu un Coréen avoir une réaction aussi vive de déception. Oh, il continue, il en peut plus. Il s'est fait pousser à bout. Mais il se passe tellement de trucs. Regarde, tu dis oui, clé de lame, il y a encore des unités qui arrivent de tous les côtés. Il a doublé la pop. Il va le faire, c'est Ralan du final. Et oui, on n'en peut plus du côté de chez Trump. C'est Ralan. Cette détonation de mine qui est un petit peu décevante néanmoins. Ouais. On peut se retourner et prendre un Mario. Oh, la deuxième, on l'avait pas vu. Ça va très vite. Et là encore une fois, on n'est pas dessus du côté de Shirog qui vient de se faire supply block. Il va dropper. Oui. Ah, c'est impeccable ce qu'il vient de faire Mario ici. Il prend des drones et du coup ce double medivac drop qui peut continuer d'être actif et on vient de récupérer tellement de gaz sur cette séquence. Ah là, ça me rappelle Wings of Liberty mon gars. Casser des hatches avec Matt Banshee. Oh, sur une base. À quel moment tu dis alors là, je vais faire que des rocks. Et je vais Y'a Gaming TV. Allez. Oh le talent. Oh Gaming TV. Allez. Il l'a pas vu le Ravager qui était la formation avant.
Sommet des Yunis. Oh mon dieu, il y a tellement de Raven. Le temps que le CC qui va se repositionne, le CC qui se repositionne, les marines qui doivent faire corps pour défendre les tanks. Attention, il y en a un autre qui vient de sortir, il faut le siéger le plus rapidement possible. On a un double drop qui va arriver de l'autre côté. Il y a tellement de Ravageurs. À la base, est-ce qu'il est pas mort? Est-ce qu'il est pas mort de la sœur vitale? Non, pour l'instant, elle est encore en vie. On continue d'énorme run sous cette masse de billes qui écrase les civils. GG. Il hésite, la first personne qui va être très très importante là pour le setup de cette prochaine fight. Regardez mécaniquement les ingénieurs qui vont partir. Pendant ce temps-là, on balance quelques changes là. Ça va très très vite. Oh là là, il va faire les tours. Va falloir encaisser. Va y avoir tellement trop. Est-ce que les torts vont pouvoir encaisser tout ça? Libérateur qui se met en place. C'est parti. Missile sur les Vénus qui sont déjà en contact. Si ça rentre de partout. Est-ce que ça dépend du côté de Chimaru? Oui, ça se fait. Y'a trop. Y'a trop. Y'a trop. Est-ce qu'il est en train de le faire ici avec une énorme explosion de Bainling? Les Bainling qui sont en train de faire tout exploser, mais ils donnent beaucoup là quand même sur cette séquence. Est-ce qu'on a deny le plus 3 d'attaque? Le split de SCV qui est tellement important. Il a tenu le bon missile. Les libérateurs qui doivent se siéger. Le split de Marine, est-ce que ça tient? Je sais pas. C'est en train de rouler. Les grandes verres qui sont en train de tout défoncer ici. Ou pas, Maru qui tapote. GG. Victoire. Oh là là, build de la crèmerie les gars. Build de la crèmerie en game 4. DGM Katowice. Les gars, attention, on vous fait pas des émissions de merde sur le gaming SC2. C'est monstrueux. En 5 minutes de game, en finale, DGM Katowice, Rock serait capable de s'emparer du premier point. Oh la gueule, la gueule de Classic qui dit mais c'est pas possible, je sais que ça arrive et je meurs quand même. C'est bon, on a plus de prise, c'est les Américains avant Jean-Clay, il l'a fait. Rock semble l'avoir fait ici. On ne tient plus du côté de chez Classic. Et voilà, GG. Rogue qui remporte ses IEM Katowice 2018. 4 tournois, 4 victoires consécutives. Rogue, le plus grand, le plus riche des joueurs de StarCraft 2, grâce à des gains en tournoi, il prend la place de SOS, deux joueurs Ginea Green Wings au top du ranking. Bonsoir, comment ça va, Tekel? Eh ben écoute, ça va très bien, j'ai un formidable ciré jaune, et si ça c'est pas le plus beau jour de ma vie, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Je vous présente Gérard, comment vas-tu? Nous t'avons invité pour un tripatouiller. Ces petites merveilles. Tu vas donc nous présenter un petit tartare de macro, évidemment. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette. Évidemment, ah, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, façon Sol Bay. C'est ça, voilà. J'ai cru voir qu'il faisait un peu comme ça. On est dedans. C'est magnifique. Ce soir, dans Top Cake, TKL et Yogo vont s'affronter en préparant un tartare de macro. Guidé par Gérard, ils vont devoir se surpasser pour cuisiner le meilleur plat en seulement 10 minutes. J'essaie de rester concentré. Non, je vais pas vomir, là je suis bien. Yogo semble ne pas avoir une bonne micro du couteau. Non, mais... Merde, ça fait des pâtés avec tout le jus de poisson. Je sais pas ce que je fais. J'avance, on verra ensuite. Il y avait des idées de d'huile d'olive. Arbre, hein. Bah j'ai foiré. Bon allez, j'ai foiré. On va mettre des bons pamplemousses aussi. Parce que c'est bon pamplemousse. Oh là 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 là, je tente une présentation colorée qui est complètement en train d'échouer. Ah moi il va y avoir zéro présentation. Ah c'est nul. Je te défonce à la présentation, t'inquiète. Yogo all-in la présentation au détriment du goût. Oh là là, zéro, vas-y, laisse-moi. On dirait du pâté pour chien, arrête. Mais y'a rien à manger dans ton truc, tu te fous de ma gueule. Ouais, c'est du restaurant gastronomique, qu'est-ce que tu vas faire? Chez nous privilégions le goût, hein, plutôt que voilà, que la qualité visuelle. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas goûté, hein, je vous le dis tout de suite. Bah écoute, moi au moins, moi je n'ai pas mangé ce soir, au pire je peux manger mon truc. Hein. Allez, mon choix est fait. Yogourt. Le verdict a été donné, Yogo est le vainqueur. Donc venez Chan. Poisson. Nous allons commencer par un turbo de cafard, mes chers amis. Build Order lancé par le grand Elixir. En fait, ce qui est simple, c'est que tout le monde déteste Protoss, tu vois. Même les Protoss détestent Protoss. Ouais, donc, voilà. À partir de là, c'est forcément fun. Exactement. Et donc, du coup, on a préparé un petit BO Terran, les amis. Il va s'afficher à écran pas plus tard que maintenant. C'est le Clem Spadon. Qu'est-ce que le Clem Spadon? Eh bien, c'est un BO. Eh bien, expand 3 racks avec beaucoup d'unités. Et on avance tout droit. Tu vois, on avance réellement tout droit.
infinite power. Encore, oh, par contre, les EMP massives ici sur les Vipers qui n'ont plus d'énergie. Missiles Shredder sur toutes les unités. Ils font tellement de dégâts. Et l'anti-armure qui est massif. Et il est en train de chasser du coup. Il chasse de l'infini. Oh, le missile ici qui va réduire l'armure. Oh là là. Oh, l'explosion. Il a perdu 4 ou 5 boulons. Et là, il snipe et on prend des corrupteurs. Les ghosts ici qui peuvent engager quelques snipes qui vont tomber sur des unités diverses et variées. Tout le monde dit non. Oh là 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 là. Oh les... Ah, Solar qui est au fond. Ah, il est tellement mad. Il est tellement au fond. Il est tellement au fond. Il se fait missiler là. Oh, regardez, la tête ne dépasse plus du siège. Ah, c'est l'attaque de la déprime. Il sait que c'est foutu. Les snipes. Les snipes il sait aussi. Que c'est foutu. Oh, ah, il a plus les mains sur le clavier. Oh là là. C'est le GG. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il a encore descendu d'un cran. Ouais. GG.